On est 2 semaines avant la sortie de mon album et donc c'est maintenant que je réponds à vos questions, petit Vénard. Ça ne nous arrive pas souvent. J'envisage plus en fait le début d'un album comme un voyage avec des endroits où je vais m'arrêter, qui sont les chansons. Mais un temps fou, bien plus de temps que le fait de composer la chanson, parce qu'il y a des moments où je peux rester 2 mois à rien écrire, mais ça fait partie aussi du voyage. C'est pour moi, je remplis ma valise d'informations, de choses qui m'émeuvent, de bouts de films, de livres. Mais au moment où je le compose, j'essaie justement d'être assez autiste en fait dans mon travail. Parce que justement, je sais qu'on peut être influencé par ce qu'on écoute, par ce qu'on voit. Ça m'a nourri avant. Mais après, je reste un peu toute seule dans ma chambre et j'ouvre ma valise et j'essaye de retrouver voilà, les sensations et les gens que j'ai rencontrés. Pourquoi ni l'un ni l'autre ne... C'est plus sur la cyclothymie, bien sûr. C'est pas forcément que la mienne, ça peut être aussi celle du monde qui nous entoure. Je trouve très, très cyclo, globalement. On passe de moments très joyeux d'un coup à des moments de grande déprime pour pas grand-chose. Et voilà, c'était ça, Cyclo. Les combats, les non-dits. Sombre, oui, c'est tout à fait le mot. Pour moi, sombre, c'est juste pas dans la lumière. Ça ne veut pas dire que c'est triste. Je mets vraiment un distinguo entre la sombritude et la solitude d'une certaine tristesse. Par rapport à cette face très solaire, très dans la lumière, moi j'ai vraiment besoin, comme tout le monde je pense, de me définir dans un équilibre avec ce qui m'est inconnu. Ce qui est sombre pour moi c'est plus ça. Je ne connais pas de moi, aller trifouiller, aller la deuxième cave en partant de la droite. Et c'est pas du tout c'est pas du tout triste pour moi comme sentiment. Un peu tout le temps, partout. Ça peut être en plein milieu de la nuit où je me relève parce que j'ai une idée qui me semble bien. Ça peut être dans un café. Sur celui-là, j'avais 2-3 idées de texte que j'avais fait pendant la tournée et auxquelles je tenais. Et pour la première fois, je me suis pas dit il faut que je mette ce mot-là dans telle musique. Mais j'ai d'abord fait les musiques et après j'ai repris mon cahier tout pourri et trouver voilà, une adéquation sur 2 ou 3 bouts de choses que j'avais écrites. Je pense qu'en fait, les chansons, quand je les écris, en tout cas les textes, c'est plus de l'ordre de la déconcentration pour moi que de la concentration. C'est-à-dire que il faut que je me lâche, il faut que j'ose des choses. Après, ça ne m'empêche pas de les construire, d'avoir une méthode, de les remettre comme ça dans un schéma qui déjà est la métrique de la chanson, donc si j'ai fait tout, ça rentre dedans. Pour la musique, c'est comme d'aller à la piscine quand on a 5 ans. Quoi. C'est ludique. On dit jouer de la musique, je vais jouer de la musique. C'est très rare quand ça m'arrive et que je vais aller en me disant bon, allez, je vais aller composer un titre. Quoi.